sans prévenir des turbulences pendant le vol. Est-ce que pour une bonne raison, c'est parce que nous avons conscience que le risque zéro n'existe pas. Et vous allez voir, le risque retombe souvent sur les épaules du pilote, seul le maître à bord. Bienvenue dans cette émission consacrée aux catastrophes aériennes. Un vol percute l'océan alors que le pilote se croit à 10 000 mètres d'altitude. Sur le vol FedEx 735, une lutte à bord dans le cockpit entraîne l'appareil dans une chute civile. Il voit les grandes circonstances de ces deux tragédies. Enquête sur ces mouchards qui permettent de comprendre les causes des accidents. Lorsqu'il est lancé prêt à décoller en bout de piste, un avion atteint un point de mauvais coup. Les roues d'un DCD japonais quittent le sol lorsque le pilote est averti par des moteurs inentables. Il a moins de 2 secondes pour faire un choix pour défendre la vie de ses passagers. Aura-t-il la bonne décision? Un jumbo jet vient de quitter Honolulu pour l'Australie. Le vol s'annonce sans histoire quand une explosion étrange creuse un énorme trou dans la carnasse. Un des passagers tombe percuté dans le vide. La tour se déprécie d'un coup et fond comme une pierre. Le commandant de bord parviendra-t-il à poser l'appareil? Entre Washington et Charlotte, il y a à peine 1 heure de vol. La descente se passe normalement jusqu'à ce que le pilote annonce que le train d'atterrissage refuse de sortir. Au lieu de cacher la vérité, le commandant explique calmement à ses passagers chacune de ses manœuvres pour débloquer le train. Et bien fait. Le commandant n'a pas d'autre choix que de tenter le cauchemar de tous les pilotes, se poser sur le vent. Pour le rencontrage du vol Rio-Paris, les experts n'ont pas pu déterminer les causes de l'accident, ni même, d'ailleurs, vous pouvez la mémoire. La plupart des catastrophes aériennes peuvent être expliquées grâce à ces enregistreurs. Ils sont conçus pour résister aux chocs les plus violents et aux conditions de chaleur ou de pression les plus extrêmes. Quand le pire arrive, c'est grâce à ces boîtes que les enquêteurs parviennent à analyser ce qui s'est réellement passé. Regarde. Toutes les secondes, un avion décolle et un autre atterrit quelque part sur la planète. Devenu un mode de transport banal, l'avion est aussi considéré comme le plus sûr. Chaque année en moyenne, les catastrophes aériennes entraînent 700 décès, pour près de 2,5 milliards de passagers transportés en 2008. Mais quand survient le crash, les dégâts sont tels que la présence de survivants tient souvent du miracle. Dans les premières destinations, il y aurait aucun survivant. Les 204 passagers qui se trouvaient à bord de l'avion s'envolent, dont 2 pilotes et 2 membres en équipage. Grâce à la mise sur écoute permanente de l'avion et des pilotes, les causes d'un crash sont